me présente, Loïc Queneau, je suis étudiant en master de géopolitique à Paris-Est-Marne-la-Vallée. Je suis à Budapest actuellement pour faire mon Erasmus, donc sur le deuxième semestre de l'année 2012. Et j'en profite pour écrire mon mémoire sur la politique hongroise qui fait beaucoup de remous en ce moment en Europe. Et je m'interroge sur le fait si on peut parler d'un nouveau néo-nationalisme en Hongrie avec la nouvelle politique d'Orban ou non. Et à côté de ça, je suis aussi capoeiriste. Je pratique la capoeira depuis plusieurs années et je le pratique aussi à Budapest, qui est un très bon moyen de socialisation. Et je suis aussi DJ, je fais des soirées sur Budapest. En tant que DJ, en arrivant à Budapest, je voulais absolument mixer dans un club ou dans un bar ou quelque part. Et je me suis servi de mon influence en tant qu'étudiant Erasmus pour organiser des soirées Erasmus. Et j'ai pu donc mixer au Koniftar très récemment et ce fut vraiment une très 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 bonne expérience pour moi. En ce moment, en Europe, on parle beaucoup de la nouvelle constitution de la Hongrie. Mais il y a un point très très intéressant et très important pour moi qui suis étudiant et qui étudie ici. C'est les nouvelles décisions qui ont été prises au niveau de l'université. C'est-à-dire que maintenant, quand on est étudiant hongrois, on a le devoir, après son lycée, de signer un contrat quand on veut bénéficier des aides aux études, c'est-à-dire juste de ne pas payer les droits universitaires. Et ce contrat stipule que si on étudie 3 ans à l'université hongroise, on va devoir rester 6 ans après son diplôme dans le pays. Si tu étudies en université pour 5 années, tu dois travailler minimum 10 années ici, ou sinon tu dois payer pour les études. Okay. Et je pense que étudier en université, c'était un investissement. Et payer pour les études, c'est normal, mais pas comme ça. C'était absolument ridicule. Signer des contrats avec le système de Schengen. Le système était la base du mouvement de liberté. Oui. Et comme ça, avec cette nouvelle contrat pour les étudiants, les enfants plus riches peuvent faire tout. Et les enfants moins riches doivent rester. Et comme ça, c'est ségrégation. Et le gouvernement a signé un contrat avec l'Europe contre ségrégation. Et les lois sont pour ségrégation. Donc il y a ça, et il y a une deuxième chose aussi, c'est au niveau des quotas universitaires. Le gouvernement d'Orban a décidé de baisser les quotas par rapport aux filières. Donc on était à 45 000 étudiants sur Budapest, et là on va passer à 30 000 dans une première décision, et encore moins dans une nouvelle décision qui a été prise par le gouvernement Orban. Les filières les plus touchées sont le droit, l'économie et les sciences sociales. Depuis 2 années, c'est vraiment très important partout parce que les changements sont radicaux et rapides et absolument choquants. Et qu'est-ce que toi, en tant qu'étudiante, tu fais contre ces nouvelles mesures? Moi, qu'est-ce que je fais? Je vais aux manifestations. Je peux participer aux organisations contre les nouvelles lois. Je peux devenir plus et plus informée. Je ne peux pas dire seulement non. Je veux avoir une opinion. Pourquoi non? Cette volonté, c'est le reflet d'une politique qui ne veut pas de dirigeants politiques qui ont un peu peur d'une jeunesse qui pourrait être politisée, parce que le problème c'est qu'ils sont très peu politisés aujourd'hui, les Hongrois. J'ai fait la manifestation début mars qui a eu lieu à l'université Edvos Lorraine,
Et j'étais très très déçu que cette manifestation soit si peu suivie par les étudiants. Et pour cause, il n'y a pas de syndicat étudiant. C'est un problème parce que du coup, il n'y a pas d'organisation et il y a une conscience politique très très faible. Passif. Beaucoup, beaucoup des étudiants sont très passifs parce que on avait 20 ans de communisme, ou beaucoup plus de 20 ans de communisme, que aller aux manifestations et participer aux politiques est dangereux. Et rester à la maison, et c'est mieux pour le futur. Et comme ça, les étudiants, plus part des étudiants restent à la maison. Et ce n'était pas bien parce que rester à la maison est accepté. Il ne faut pas oublier que c'est un pays qui est en démocratie que depuis une vingtaine d'années. Et c'est tout nouveau, ils n'ont pas encore assimilé les automatismes qu'une démocratie comme la France, qui existe depuis 300 ans, qui a été vraiment performée par le temps. Alors qu'ici, voilà, on sent que c'est tout nouveau et qu'il n'y a pas cette conscience politique encore, surtout dans la jeune génération. Aujourd'hui, je me rends au cours de Capoeira de l'Institut brésilien de Budapest. Pour moi, la Capoeira est le meilleur moyen de socialisation quand je voyage. Il me permet de rencontrer des gens avec qui je tisse des liens très forts. Et la communauté des capoeiristes, que ce soit en Europe ou partout dans le monde, est très très accueillante. The capoeira is from the favelas, it's from the poor places. And my family was very scary that don't know why you want to go there. Do you know that kids can learn good, they can't write good, they don't speak good, they are from favelas, they are very poor, they are dangerous, street child. Do you know all these things about Brasilia in Rio de Janeiro, what happened in Brasilia in the street? The parents are scary about this. Capoeira is a social instrument. So I am from the middle class and I started to make a contact and a friendship to change things with the favelas guys. But I met with so rich guys too. So in Brazilian too, here in Budapest too, the Hungarian, the white Hungarian people, the brown Hungarian people, the gypsies, do you know, the foreigners, me. Me like Brazilian is a good instrument for me too, you know, because I am not Hungarian. Aujourd'hui, je rencontre Timea, une jeune femme de 30 ans, qui a terminé ses études lors de l'entrée dans l'Union européenne de la Hongrie. Elle a ainsi multiplié les expériences à l'étranger, de formation professionnelle et d'études, et aujourd'hui bénéficie de tout ce parcours pour sa carrière professionnelle en Hongrie. Moi, j'ai eu de chance parce que pendant aussi mes études, moi, j'ai fait des bourses Erasmus à Norvège. Donc, c'était déjà une expérience internationale. Donc, c'est ce qui bénéficiait beaucoup pour les langues et aussi pour avoir les expériences, comment il faut vivre dans un autre pays. Et après que j'ai fini mes études, j'ai travaillé ici à Budapest, en Hongrie. Mais après, j'ai essayé de bouger un peu. Et donc, je suis déménagée donc, à Pays-Bas, à Amsterdam. Et donc, j'ai passé là un an. Donc, j'ai travaillé dans un autre secteur que j'ai appris. Parce que moi, ici à Budapest, j'ai appris le tourisme. Mais aux Pays-Bas, à Amsterdam, j'ai travaillé dans le secteur bancaire et financier. Mais bon, donc un an c'était suffisant, tout ça. Et après je suis retournée.
de la Hongrie. Et cette expérience était super parce que, à cause de langue aussi, donc j'étais capable de montrer que je peux faire une carrière internationale aussi. Et j'ai trouvé, j'ai expérimenté les choses et les méthodes dans le travail aussi que j'ai jamais vu ici en Hongrie. Donc c'est un double avantage. Je pense que maintenant c'est plus simple pour trouver un boulot, un travail pour moi, parce que c'est à cause des expériences, à cause des expériences de langue, expériences de système informatique qu'on a utilisé, donc les différentes branches, parce que j'ai étudié tourisme, par contre j'ai travaillé dans le secteur bancaire, j'ai travaillé dans le secteur de commerce, donc avec ça je pense que presque toute la situation, même s'il y a une crise, même s'il y a un problème, je suis capable de trouver un travail. Mama takes his gun for me. I can't use it anymore. Donc comme je vous ai montré, mon Erasmus à Budapest comporte beaucoup d'aspects. Donc l'aspect capoeira, où j'ai pu rencontrer beaucoup de Hongrois, partager beaucoup de choses avec eux. L'aspect fête, avec l'organisation de soirées avec mes amis Erasmus. Et l'aspect études et politique, avec mon mémoire sur la politique ici en Hongrie. Donc j'ai pu m'intéresser vraiment à tous ces aspects, et personnellement ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte beaucoup sur moi-même. Comme chaque voyage, à chaque fois, j'en apprends beaucoup sur ma propre culture. Voilà. J'arrive à comparer quelle est ma place, moi, en tant que Français, en Europe. Et il y a un vrai travail introspectif qui est vraiment très intéressant. À chaque voyage, et la vie Erasmus est encore plus, comment dire, encore plus intense qu'un voyage normal, parce qu'on se sent vraiment appartenir à une communauté. Yeah.